Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Merci encore pour toutes les personnes qui ont participé au live hier. Merci vraiment beaucoup à votre participation. Concernant le tirage au sort, vous avez encore le temps jusqu'à la fin de la semaine. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails de personnes qui voulaient participer à l'espèce de petite loterie que je vais organiser pour avoir les petits bijoux, donc bagues, bracelets. Un chapelet et puis les petites images de Medjugorje que l'on peut coller sur le frigo. Bon, ok, on va entamer tout de suite la revue des prévisions du mois de juin et puis ensuite je ferai les prévisions pour le mois de juillet. Alors, je n'ai pas sorti énormément de choses, mais ça, je pense que c'est parce que j'étais un peu fatiguée. J'avais besoin un peu de changer d'air, je dois dire. Vous allez voir qu'il y a des choses qu'en fait que j'avais commencé à aborder et puis j'ai pas été plus loin. Alors je vais vous montrer. On va commencer tout de suite. Donc ça, c'est ce que j'avais dit sur le mois de juin. Ah, j'arrive pas à lire. Cohabitation, pardon. Cohabitation. Cohabitation avec quelqu'un qui n'est pas ce qu'il prétend être. Ah bah oui, le mois de juin. Il y a le procès Brimich. En cours. Bon, cette carte est très parlante. Donc, on va entendre parler du procès, certainement. Alors, j'ai quand même dissolution en cohabitation, mais. Bon, alors j'ai interrompu parce que vous voyez qu'en fait il y avait deux choses qui se sont un peu, on va dire, catapultées. La première chose, c'est le procès effectivement de Brimich qui n'a rien donné. Bon, moi, ça, je vous l'avais dit dans une autre vidéo. On verra bien en septembre, mais je n'ai pas tellement de doutes par rapport au fait qu'à mon avis, il n'y a rien qui ressortira de ce procès, c'est cloisonné. En tout cas, vous voyez qu'en fait, c'est compliqué de différencier les événements puisque là, on avait bien effectivement il y avait l'enquête judiciaire qui était sortie ensuite sur je ne suis pas ce que je semble être. Donc ça, c'était Brimich. Mais vous voyez qu'en main, j'ai sorti la carte de la dissolution. Dissolution cohabitation. Et effectivement, il y a bien eu dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais je n'ai pas été plus loin. Comme quoi, vous voyez, c'est compliqué. Et c'est vrai que c'était un mois de juin assez chaotique. C'est compliqué de différencier les événements, tout simplement, mais j'avais quand même sorti la carte de la dissolution. Alors, après, j'avais sorti quelque chose à propos de quelqu'un qui était en prison. Donc, je sais pas si je vais retomber sur Alors, l'extrait. désolée, Ouais. je dois la mettre un peu de côté. Je suis sur la France, là. La division, les divergences, les oppositions. Bon, alors, attention aux résistants. Parce que là, j'ai des gens qui sont dans l'opposition. Opposition, en prison. Des gens qui voudraient protéger ou qui voudraient aider et qui se retrouveraient en prison. Ben alors c'est Julien Assange, hein. Ben, sauf que vous voyez, j'ai pas été plus loin là encore. Comme quoi c'est vraiment compliqué parfois en voyance. On attrape une information et puis voilà. Après, ben ça peut bloquer. Mais il y avait beaucoup de choses sur le mois de juin, je dois dire, à ma décharge. En tout cas, vous avez bien protection sur quelqu'un qui était en prison. Donc vous voyez que j'ai fait une erreur d'interprétation parce que protection sur quelqu'un qui est en prison, ben, c'est plutôt positif. Et on a bien eu la libération de Julien Assange. Voilà. Et c'était bien au mois de juin. Donc c'était quand même une information importante, même si ça ne concernait pas la France. Vous voyez que j'avais effleuré le sujet. Bon, bah écoutez, voilà, ça peut arriver, hein. Mais bon, il y avait bien quelqu'un en prison et qui était protégé. Et donc, oui, Julian Assange a été libéré. Alors ensuite, il y a autre chose qui n'était pas trop mal sortie. Je vais vous laisser écouter. Ecclésiastique, on va dire. Ouais, peut-être. Et là, je sais pas. Mais apparemment, il y a quelque chose comme ça. Oui, chantage, corruption. Bon, bah, des personnes apparemment en relation avec le domaine ecclésiastique. Hein. Voilà. Chantage, corruption, prostitution. Bon. Bon, ok. Alors, bah oui, il y a bien eu quelque chose, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc ça, c'était bien en juin. Hein. C'est une vieille affaire, pédophile dans l'église, les affaires Prena et Barbarin 2016. Donc, c'était, bon, prostitution, bon, je n'ai pas sorti la carte de la pédalo, hein, comme je dis toujours. Mais c'était bien en rapport avec des affaires ecclésiastiques. C'est ressorti en juin. Ici, vous avez la date 2024, pourquoi? Parce qu'il y a un des deux prêtres qui a été retrouvé mort.
le 23 juin 2024, hein. Bon, donc c'était des histoires terribles concernant donc ce que vous voyez ici, hein, les pédalos comme je le dis, dans l'église. Et donc alors c'est une information qui a été un peu passée sous silence. Moi je trouve qu'il faudrait creuser. Parce que c'est quand même bizarre que voilà, cet ancien prêtre condamné pour sur mineur en 2020 était retrouvé mort. C'est curieux quand même. En tout cas, mes cartes s'étaient sorties. Donc si c'est sorti dans mes cartes, c'est qu'il y a des choses à creuser. Mais on en a très peu parlé de cette affaire donc avec la mort de ce prêtre, de cet ancien prêtre en juin 2024. C'est bizarre quand même cette mort. Bon, en tout cas, moi, c'était sorti dans mes cartes. Alors, après, j'avais sorti les fameuses carottes. Ils vont nous faire avaler des couleuvres. Ouais, ben, c'est ça, en fait. Ils vont nous faire avaler des couleuvres. Pourriez-vous nous dire que l'agriculture, ça pollue? Ben, ça va être ça, hein. Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais ils vont commencer à prendre des mesures, là, pour réduire... pour réduire, comment dire, l'abondance, ben, c'est ça en fait. Hein. Alors oui, au niveau des agriculteurs, on n'en entend plus parler, comme c'est bizarre. Et pourtant, les agriculteurs continuent de se battre. Voilà, donc manifestation des agriculteurs à Bruxelles le 4 juin. On ne sait pas trop ce qui se passe avec les agriculteurs. Ils continuent de lutter. Et c'est vrai que je pense que... Alors, je n'ai pas trouvé de texte pour l'abondance qui va être réduite, mais ça va arriver, hein, ne vous inquiétez pas, ça va malheureusement arriver. J'étais tombée sur une émission qui disait que Aldi allait réduire la nourriture dans ses rayons. Bon, ça commence tout doucement. En tout cas, moi, je vous conseille de vraiment de regarder, de chercher des informations sur tout ce qui concerne agriculteurs, parce que c'est quelque chose de primordial. C'est quand même la nourriture, hein. Donc, si les agriculteurs disparaissent, ben, vous pouvez partir du principe qu'on va avoir des changements drastiques au niveau de la nourriture, notamment avec l'arrivée d'une nourriture industrielle. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est passé sous silence. Les choses importantes, on ne nous les dit pas, comme d'habitude. Alors après, il y avait les JO qui ressurgissaient. Pas suffisamment de demandes, hein. Par exemple, les hôtels, vous voyez les gens qui vont réserver pour les JO, parce qu'on est dans le thème des JO, il n'y aura pas la récolte qui va être faite, et je pense que ça va susciter déjà pas mal de conflits ou de controverses, mais en plus, ça va miner l'image, je pense que ça va être Anne Hidalgo qui va être très critiquée, ouais. Alors, Anne Hidalgo critiquée, bon, de toute façon, elle, c'est une catastrophe, mais par contre, oui, effectivement, voilà, donc ça, c'était pareil, c'était, bon, c'est 3 juillet, mais enfin, bon, à quelques jours près, hein. Enfin, c'est la fin du mois de juin. JO de Paris 2024, peu de réservations de dernière minute pour les locations touristiques, oui, bon, c'est la catastrophe, c'est-à-dire qu'en fait, ben, je pense que tout ce qui est immobilier, tout ce qui est location immobilière, tout ce qui est vente, commerce et tout, ils s'attendaient quand même à justement profiter un peu de l'afflux de touristes pour faire un peu de chiffre d'affaires. Et là, malheureusement, aucun signe de réservation de dernière minute pour sauver la saison des dizaines de milliers de propriétaires bailleurs qui souhaitent louer pendant les festivités, etc. Voilà. Bon, c'est des petites infos. Voilà ce que j'avais sorti. Bon, ce pas transcendant, je suis d'accord avec vous. Mais encore une fois, c'était un mois de juin qui était très compliqué. Et puis, franchement, je dois être un peu fatiguée. Donc, dans ces cas-là, on sort moins d'événements. Et on va voir ce qui va sortir sur le mois de juillet. À tout de suite. Ok, donc on va faire le mois de juillet. Alors, j'ai quand même bien dormi. Donc, on va voir si ça sort bien. Et évidemment, on va commencer par le côté politique. Donc, j'ai le petit jeu France Actu. Et on va regarder tout de suite au niveau politique. Tiens, attends, je vais pousser un peu ça. Alors, propriété privée. Et ça, on a quoi? Europe. Alors, oui, bon, d'accord, c'est pas la France. Mais, il y a des choses au niveau de l'Europe. Attention, la propriété privée, immobilier. Bon, alors, je vous avais fait une vidéo sur est-ce que la hyène va rempiler. Hein, je vous remettrai le petit truc d'information si vous voulez. Malheureusement, j'avais dit oui, moi. Bah, j'avais l'as de trèfle qui était sorti, c'est succès. Bon, la dame, elle est bien partie pour remplir.
Alors, ça me fait penser à elle parce que je vois propriété privée Europe. Attention, ils vont nous pondre des trucs. Alors, c'est pas le mois de juillet, je sais bien. Mais si j'ai sorti la coupe, c'est qu'ils vont y penser, hein. D'accord? Bon. Petite info. Donc, le mois de juillet, alors j'essaie de rester vraiment sur la France et pas l'Europe. Est-ce qu'on va avoir des changements? Éventuellement, si ça sort pas, je reposerai la question, hein. On a, alors, l'Angleterre. Bon, attendez, on va l'enlever parce que moi, je suis sur la France et ça m'énerve. Une résistante, d'accord. Résistance. Ah, bah tiens, démission. Ça va vous faire plaisir, ça. Là, qu'est-ce qu'on a? La chance. Et là, on a confiance. Ça, c'est amusant, ça. Bon, résistance, démission, chance, confiance. Je pense que le RN va faire un bon score, hein. Enfin, va continuer sur sa lancée, parce que les gens n'en peuvent plus de celui-là. Ça, je vous l'avais déjà dit, que j'avais sorti la carte colère de mon jeu. Et je vous avais dit, les gens, ils veulent absolument que l'autre s'en aille. Alors, démission, peut-être pas tout de suite quand même, mais enfin, il va être mis au placard, je pense, oui. Bon, qu'est-ce qu'on a ici sur la résistance? Victoire, voilà, victoire de la résistance. Alors, la résistance... On peut y voir. Alors normalement, c'est la carte des lanceurs d'alerte. Moi, j'y verrais bien le RN, hein, ben, parce qu'on est dans les histoires politiques. Alors vous m'excuserez, mais enfin bon. Même si c'est une fausse résistance, hein, bon, il y a quand même une victoire. OK. Là, on a les dom-toms. Alors, est-ce qu'il va aller dans une île déserte ou est-ce qu'il va faire un petit tour dans les îles pour. Parce qu'il est toujours en train de voyager. Hein. Peut-être. Ouais. Je pense qu'il va laisser. Le nouveau gouvernement se dépatouiller avec la patate chaude, comme je vous l'ai dit dans le live. Hein. La patate chaude étant la situation catastrophique de la France, notamment la dette dont on ne se sortira pas. Hier, j'avais re regardé une émission géopolitique qui disait qu'en fait, on a une dette énorme et tout l'argent en circulation, ne permettrait pas de rembourser la dette. Donc, de toute façon, il n'y a pas assez d'argent à disposition. Donc, la dette, elle ne sera jamais remboursée. Mais elle a été certainement vendue. Alors, BlackRock ou autre. Ça veut dire que la dette, elle est dans les mains de personnes étrangères. Et ça veut dire qu'ils ont la mainmise sur la France, ce qui est très mauvais. Donc, ils peuvent imposer les choix politiques, etc. Voilà, ils ont la main sur l'argent. C'est pas bon ou inutile de vous le dire. Bon, alors là, on a une chance, mais on a aussi une manipulation, vous voyez? Ah oui, non, c'est même pas la manipulation, c'est la dictature. Pardon. Oui. Enfin, moi, je vois quand même une manipulation parce que j'ai une marionnette, là. Loi liberticide. Ouais. Bon, j'ai la chance sur les lois liberticides. Bon, ok. Et là, association confiance. Oui, bon, alors ça sent quand même les histoires de coalition. De coalition pour faire passer le RN, je pense. Hein. Ouais, je pense vraiment que ça va être ça. Je ne crois pas que le Front populaire de gauche, ou quel que soit son nom, arrive à avoir une majorité. Je n'ai pas l'impression. Je pense que c'est plutôt l'autre, là, le petit jeune. Encore un. Qui va avoir la victoire. Voilà, c'est ce que je pense. On va poser la question. Alors, je ne sais pas si ça va sortir, parce que je n'ai pas vraiment des personnages là-dedans. Qui sort ici, popularité, oui, donc quelqu'un qui a la popularité, vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bon, par contre, on a un crash boursier. Alors, oui, j'avais lu que si le RN avait une majorité, enfin, en tout cas, un bon score, ça pourrait provoquer un crash boursier. Bon, tout ça, c'est du pipeau, encore un coup. Mais c'est pas impossible, oui, puisque ce soit manipulé pour faire baisser la bourse ou l'euro, enfin, oui. Bon, donc résumons. Certainement victoire du RN, je pense. Et l'autre qui va être mis au placard, éventuellement, qui pourrait faire un petit tour ailleurs. C'est quoi ça? Dirigeants mondiaux, ben oui. Bon, ouais, peut-être qu'il va aller demander encore des conseils. Et inflation qui ressort. Vous voyez, crash boursier, inflation, donc un mois de juillet qui est mauvais au niveau des sous. On va regarder ce qu'on a ici. Encore, vous voyez, regardez, du dirigeant des nations, dirigeants mondiaux. Je vous dis que tout est manipulé au niveau de ces élections. Là, vous avez une dictature avec une chance. Pour moi, mais ça n'engage que moi, ces élections nous préparent en fait à une dictature déguisée. Voilà. Alors pourquoi déguisée? Parce que ça va se faire par le biais, très certainement, de contraintes économiques.
parce qu'il faut rembourser la dette. C'est ça que je vois. Avec certainement aussi des mesures de surveillance, parce que, bon, le RN, nanana, tout ça à faire, évidemment, le feu aux poudres, etc. Donc, certainement des mesures de surveillance. Ben voilà, regardez, armes de destruction en plus. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Bon, après, j'ai l'histoire d'immunité. Donc, à mois de juillet, qui devrait normalement montrer la victoire du RN, hein, je vous résume un peu. Ce qui devrait provoquer panique à la bourse. Ouais, bon, ok, hein, moi je vous dis ce qui sort. Des problèmes d'inflation, très certainement. Du chaos en France, quand même ici les armes de destruction. Bon, c'est la guerre, mais ça peut être évidemment des incendies, du chaos. L'autre qui ira faire un petit tour. Alors, démission, peut-être pas. Oui ou non. En tout cas, j'ai l'impression qu'il va être, comme je vous l'avais dit pendant le live, il ne pourra plus vraiment agir. Oui, ça ressort. Mais d'un autre côté, tout ceci semble bien être orchestré par les dirigeants mondiaux, aux dirigeants des nations. Voilà. OK. Donc, politique, je crois que c'est clair. Et on va regarder s'il y a d'autres événements. Alors, pour le mois de juillet, on va laisser un peu la politique, même si ça va être un mois très axé politique. Bon, je prends le Béline parce que je vous dis, en fait, les prévisions pour les derniers mois vont être compliquées parce qu'on va avoir beaucoup d'événements qui vont arriver. Hein. Autant vous le dire. Alors, honneur et départ. Bon, honneur, c'est toujours la politique et départ de personne. Ça, oui. Pardon. Il y a des ministres qui vont partir. Ah, je suis en train de tout faire tomber. Oui, c'est sûr. Changement de gouvernement. Je le voyais aussi en astrologie, donc oui. Changement de gouvernement. Départ de ministre. Voilà. Bon. C'est sûr. OK. Alors, on va regarder les domaines les plus importants dans lesquels il peut y avoir des événements. Parce qu'il ne faut pas oublier l'international aussi. Hein. Bon, argent. Procès ou justice. Pensée, amitié, ennemi. Ouais. On va remettre un peu du divinatu dessus. Donc, des problèmes d'argent. Ça peut être la guerre ou les hostilités, la justice, les procès. Bon, pensée, amitié, on va voir. Bon, problème d'argent, c'est évident. Hein. C'est pas besoin de faire les cartes pour ça. Alors, sur l'argent, qu'est-ce qu'on a? On va mettre deux cartes. Sur les procès, sur les pensées amitié, hein, les gens qui sont ensemble, et les ennemis, évidemment, ça peut être la guerre. Attendez, je prends l'autre tas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'argent? Le reset. Ah ben d'accord. Bon, l'Afrique, je ne sais pas si c'est vraiment à prendre en tant que pays. La girafe, on peut y voir aussi des choses que l'on voit vues de haut, pourquoi pas. En tout cas, un reset au niveau de l'argent. C'est sorti, hein. Donc, les questions financières très importantes sur le mois de juillet, parce que y a un problème. Voilà. Il n'y a plus de sous. L'autre, il est parti avec. Enfin, il est parti. Non, il n'est pas parti encore, mais il a pris la caisse, il a dilapidé, et il n'y a plus d'argent, quoi. C'est tout. Bon. Alors là, de la colère. Ah oui, ça c'est curieux. La colère par rapport à des enfants. Il y a des histoires de procès là. Tiens, on va entendre parler de quelque chose par rapport à des enfants en danger. Avec beaucoup de colère. Bon, ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? La loi, les lois, les parlements. Le choix. Bon, bah, il y a constitution d'un nouveau gouvernement là. Voyez. Pensée, amitié, voilà, on met les petits copains. Alors, toi, tu vas prendre ce ministère, toi, tu vas prendre celui-là. Vous voyez, il y a de ça, hein. Parlement. Donc, oui. Nous, c'est plutôt ouais, c'est plutôt. Attendez, je dis pas de bêtises. Bah oui, c'est les législatives. Donc, oui. Les nouveaux députés, ouais, c'est ça. Nouveaux députés et certainement nouveau gouvernement. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur les ennemis, là? Ah. Communication par rapport à des choses de nourriture, voire les agriculteurs. Ennemis, des gros problèmes au niveau de la nourriture. La nourriture, ça fait depuis déjà plus de 2 ans que je vous dis de faire attention, puisque on va, et ça je le vois en astrologie, on va
vers des temps difficiles. Alors pourquoi? Ben, il y a plusieurs raisons. D'abord, justement, le fait que les agriculteurs, on veut absolument qu'ils disparaissent. Hein? Vous avez ici les questions de nourriture, sans aucun doute, en relation avec les agriculteurs. S'ils disparaissent, eh bien, qui va nous nourrir? Les entreprises industrielles qui vont nous proposer leurs produits dégueulasses et toxiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que avec tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils mettent dans la terre, que ce soit par le biais des substances qui sont balancées dans l'air et qui arrivent sur la terre, ça rend la terre toxique. Pareil pour l'eau, l'eau est polluée. Donc tout ça, eh bien, ça donne une terre malade qui ne peut plus suffisamment produire de nourriture, et je ne parle même pas des pesticides. Donc on est en train de tuer la terre et donc de tuer notre source de nourriture. Ah ouais, non mais c'est sérieux, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention au niveau de la nourriture. Ne vous faites pas avoir, c'est pas demain, hein, mais c'est dans les quelques années à venir. Bon. En tout cas, il y a des choses qui vont nous être communiquées au niveau de la nourriture. On va en remettre d'autres encore, hein. Attendez, on va reprendre là. Donc des questions financières, quelque chose par rapport aux enfants. Un choix par rapport à un nouveau gouvernement. Bah, député, hein, oui, donc oui. Sans doute ministre aussi d'ailleurs. Et quelque chose par rapport à la nourriture. Bon, voilà pour le Divine Actu. Arabie Saoudite. Tiens, je sais pas ce que ça va faire là. C'est curieux. Je sais pas, aucune idée. Est-ce qu'ils vont prêter de l'argent? Bon, bah, de toute façon, on ne le saura pas. Hein. Donc, cette carte-là, vous pouvez la mettre de côté. Je vais regarder avec mon jeu à moi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'argent? Illumination des consciences. Bon, il y a des choses qui vont être découvertes au niveau de l'argent, très certainement. Ça brûle. Oui, bon, d'accord. Bon, bah oui. Catastrophe au niveau financier avec certainement reset, donc nécessité de mettre en place des choses nouvelles pour se sortir de cette galère. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, commerce artisanal, alors commerce des enfants, moi j'ai envie de dire, hein. Il y a quelque chose au niveau des enfants là. On va regarder si mon jeu me donne d'autres infos. Ah là aussi. Bon, bah, ça va être encore un mois de juillet avec du feu, hein. Élément feu, élément feu, enfant en danger, avec peut-être quelqu'un de connu d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un scandale à venir? Ah oui, c'est possible. Il y a quelqu'un qui s'en va là. Alors, il y a le départ d'un homme connu. Est-ce que c'est en relation avec les enfants ou est-ce que c'est une autre information? Non, il y a quelqu'un qu'on enterre là. Bon, ok. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a le départ, la séparation d'une personne connue. C'est peut-être pas à mettre en relation avec le scandale des enfants. Là, c'est peut-être deux informations différentes. Un scandale concernant des enfants en danger ou enlevés et quelqu'un qui doit s'en aller. Voilà, et qu'on enterre. Bon, ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah d'accord. Le communisme. Alors c'est curieux parce que ça fait penser au front de gauche quand même. Hein. Donc il va y avoir aussi un gouvernement dans lequel il y aura des gens de gauche, très certainement. Hein, vous avez la, voilà. Vous avez quand même l'emblème ici. Donc ça va être une espèce de cohabitation. Ah ben ça va être sympa. Hein. Oh là 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 là. Pouh, la galère. Bon, là, on nous dit encore de continuer de prier. Alors le chapelet, le rosaire. Oui, bon, d'accord. Alors des gens qui m'ont gentiment. Fait remarquer que le chapelet, c'était pas le rosaire. En fait, le rosaire, c'est 5 chapelets. Hein. Mais moi, je fais, quand je dis je fais le rosaire, bah, c'est-à-dire j'essaie de faire le chapelet bah, toute la semaine. Hein, d'accord? Au moins 5 fois. Bon, ceci étant dit, conseil de prier. Ok, ça fait pas de mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Surprise. Ouais, il y a des. Vous allez voir qu'au niveau du gouvernement, ça va être mélangé. Ouais. Ça va être mélangé. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est bizarre, on a encore un truc sur les, j'allais dire les enlèvements, mais là il y a du confinement, le confinement, et il y a les histoires de nourriture là. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Les gens qui partent,
se mettre à l'abri, ou en tout cas une situation difficile. Ouais, bon, moi je vois quand même beaucoup de départs de personnes. Il y a des gens qui s'en vont, pardon. Il y a des gens qui s'en vont. Et vous savez, je me demande si ce n'est pas les agriculteurs d'ailleurs. Parce que c'est comme si en fait ils devaient aller ailleurs, ou en tout cas. Attendez, faut que j'approfondisse, c'est quelque chose d'important là. Ouais. Il y a quelque chose concernant les agriculteurs, un départ, des gens qui s'en vont, qui sont dans une situation difficile, qui essaient de se battre pour essayer d'établir des relations. Bon, c'est les agriculteurs qui se battent pour leurs droits, ça. Moi, j'ai l'impression, moi. On veut les mettre au tunnel, on veut les mettre, voilà, on veut les virer. Et eux, ils vont chercher une solution pour continuer à exister. Les agriculteurs, c'est important, hein. Je vous assure qu'il faut continuer à regarder par là. Vous voyez, ils vont chercher des soutiens. Bon, c'est des gens qui vont pas se laisser jeter au trou dans un tunnel, hein. D'accord? Donc les agriculteurs, il faut vraiment aller chercher soi-même l'information. Ok? Bon, donc nouveau gouvernement, des enfants en danger, des gens qui partent et les problèmes au niveau de l'agriculture, pardon. Bon, on va quand même regarder si les JO vont, les JO, pardon, vont débuter, parce que c'est le début des JO fin juillet. Alors, s'ils vont commencer déjà, on va regarder ça, parce que je n'ai pas encore posé la question. Sagesse et procès, bon. Ok. On croise le fer. Bon, bah, je pense qu'il va y avoir encore des appels au calme, en tout cas. Ouais, pour faire en sorte que les JO commencent dans une paix relative. Alors, est-ce que les JO vont pouvoir commencer? Appui, oui. Pensée, amitié, maladie. Oh là là, il va y avoir beaucoup de bagarres quand même, hein. Alors ça, c'est une mauvaise ambiance, hein. Très mauvaise ambiance. Mais il y a quand même ici le gouvernement, ou en tout cas les autorités officielles. Donc c'est, on va dire, ces JO vont commencer dans une très mauvaise ambiance. Ça, je vous apprends rien. Ouais. Bon, il va y avoir des coups fourrés, hein. Il va y avoir de la violence, méchanceté, le couteau, famille, attention, ça peut être les attaques sur les familles. Ça va commencer dans une ambiance vraiment, vraiment de violence. Oui, absolument, avec des attaques. Alors, de l'argent en ruine. Ah, il va y avoir un problème financier, hein, au cours des JO, hein. Il y a un manque d'argent, hein. Alors, par rapport à quoi? Ben, peut-être que les constructions, là, peut-être ça va s'écrouler, enfin, parce qu'il n'y a pas eu assez d'investissement, ou c'est pas assez solide, il n'y a pas eu effectivement d'argent qui a été assez investi dans les constructions, il y a quelque chose qui s'écroule quand même. Oui, c'est bien ça. Bon, il commence, mais il pourrait s'arrêter, hein. Oui, il pourrait s'arrêter ou être interrompu. Donc, le début des JO, oui. Très mauvaise ambiance, oui. Agression, attaque, oui. Un problème, quelque chose qui s'écroule. Un problème. Alors, corne d'abondance, c'est pas que l'argent, mais c'est quand même beaucoup l'argent. Problème financier, oui. Et il y a quelque chose ici, un arrêt. Vous voyez, il y a nativité quand même. Mais il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, y a une faux quand même, hein. Moi, j'ai un peu peur par rapport à ces JO, hein. Et restrictions ou emprisonnement. Ouais, donc, les JO, c'est pas bon, hein. Je crois que ça, tout le monde le savait, hein. Donc, voilà pour juillet, hein. Je ne veux pas faire trop long. Ça va être un mois compliqué, avec beaucoup de violence, changement politique. Les JO qui commencent. Ça, on verra ça sur le mois d'août également. Et puis, bon. Et quelque chose par rapport aux enfants et aux agriculteurs. Voilà, je vous referai d'autres vidéos et je vous dis à plus tard. Au revoir.